Ah, tenez, il y a un banc là. Vous pouvez m'attendre ici. Surtout, vous m'attendez là. Oui, oui, pas de soucis. Ne bougez pas. Je ne bouge pas. Je reviens tout de suite vous chercher. Vous m'attendez. Oui, on marche. À tout de suite. C'est pas possible, pourquoi ils ont fermé cette entrée? Vous savez depuis quand c'est fermé? Bah non, je sais pas justement. Ouais. Ah mais, je vous connais. Vous me connaissez? Mais... j'ai déjà vu. Ah bah je sais pas, à quel endroit? Bah à New York. À New York? Mais... oh, ça m'étonnerait, je suis jamais allé aux États-Unis. Bah, je vous ai vu. Et où ça à New York? Dans un parc? Bah oui, dans un Central Park. À Central Park? Oh ben j'aimerais bien y aller, mais je suis désolé mademoiselle, je suis jamais allé aux États-Unis. Je pense que vous confondez, vous savez, on a tous des sosies. Mais... allez, bonne journée à vous. Une belle C'est croissant ce matin dans le parc. Ah, ça y est, je sais, on s'est vu. C'était à Death Valley. Bah sinon alors, où mes derniers voyages, c'est l'Inde, c'est Singapour, c'est la Chine,
l'Australie et le Pérou. Excusez-moi, mais oui. J'écoute vos conversations. Mais oui. Vous parlez de vos avantages, vos privilèges d'occidentaux, mais vous savez que dans le monde, il y a d'autres endroits où les gens n'arrivent même pas à se payer à manger. Ils n'arrivent même pas à mettre leurs enfants à l'école. Hein. Juste, vous avez raison. Bah, dis donc, c'est un peu. Bah, par exemple, à Madagascar. Ah, parlez-moi de Madagascar, je ne connais pas du tout. Bah, avec Jérôme, on a créé une association où il y a des enfants qui sont déscolarisés, les parents n'arrivent même pas à subvenir. Oui, à payer les frais de scolarité de leurs gosses. Donc, on a essayé de récupérer ces enfants-là pour pouvoir leur créer un lien social, on leur a fait qui se désocialise. Voilà. Ah ben bravo, c'est bien ce que vous faites. Vous avez raison, on est très égoïste en Occident. Vous n'aurez pas ce que vous avez comme chance. C'est vrai, vous avez raison, je reconnais. Bah écoutez, oui, vraiment, c'est bien ce que vous faites. Et on peut adhérer à votre association si on veut vous aider? Ah, bien sûr. Elle s'appelle comment, votre association? L'association s'appelle Miaro. Miaro, ça s'écrit comment? M-Y-A-R-O. Miaro, d'accord. Et c'est vraiment des enfants qui sont vraiment dans le besoin. Ils ne sont pas bon nombreux pour l'instant, mais franchement, c'est... Vous avez un site quelque chose? Oui. C'est www.assomiaro.org. Ah, Miaro.org. Voilà. Salut. Savez-vous s'il n'y a qu'une seule séquence pour le guignol? Ah bah pour le guignol, vous n'avez qu'une seule séance à 16h30, il n'y en a pas d'autre. Ah mais attendez-vous, votre visage me dit quelque chose. Bon. Vous n'êtes pas passé à la télé récemment? Ah non, j'aimerais bien, j'ai des choses à dire, mais non. Ah non, mais alors où est-ce que je vous ai vu? Peut-être au concert, vous êtes musicienne? Ah non, je pianote un petit peu, mais j'aime beaucoup le langage des sons. Mais... Ah, ou alors dans une émission littéraire, vous êtes écrivain? Oui. C'est vrai. Mais je ne suis pas passée encore à la télé. Remarquez, j'avais des choses à dire. J'avais des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Dire un petit peu quelles sont mes valeurs, les différences, ma différence. C'est difficile de contribuer aussi. Bah écoutez, je vous souhaite de progresser dans vos projets, dans vos livres. En tout cas, écrire, c'est quelque chose de merveilleux. Vraiment. Si vous avez l'occasion, faites-le. C'est très agréable d'écrire des vies imaginaires. Même la mienne, je l'écris, inventée. Écoutez, j'essaierai, c'est un truc qui me plaît, ça. Ouais. Voilà, je vous y invite. Au revoir. Allez, belle à journée. Une autre fois, peut-être. Thank you.
Ah oui, en effet, on a pris beaucoup de temps. Ah. Vous devez rentrer dans votre établissement pour déjeuner. Ah oui, c'est vous savez, vrai. Vous vous a rappelé. Allez, on y va. Allez, on perd pas de temps. On y va.